Des millions de momies de chiens ont été retrouvées près d'un temple dédié au culte d'Anubis, le dieu de la mort. Dans l'ancienne capitale égyptienne de Memphis, les momies remontent aux environs de 500 ans avant Jésus-Christ. Ce temple appartenait à une secte vénérant Anubis, le dieu de la mort à tête de chien. Les pèlerins qui visitaient le temple considéraient l'exhibition des momies comme des signes de gratitude envers leur dieu. Anubis représente le principe divin, du bon sens, de la direction. Le chien incarne l'essence de la guidance spirituelle. Anubis est souvent montré comme le chien ou comme une figure humaine avec la tête d'un chien. Le chien est célèbre pour son instinct d'autoguidage fiable, de jour comme de nuit. Le chien est très utile dans les recherches, et il est l'animal de choix pour guider les aveugles. Comme ça, c'est un excellent choix pour guider l'âme du défunt à travers les régions du doigt. Cette expression symbolique de la compréhension spirituelle profonde a été présentée sous deux formes principales pour Anubis, l'humain à tête d'animal ou une forme animale pure. Lorsqu'un animal total est présenté en Égypte ancienne, il représente une fonction attribut particulier dans sa forme la plus pure. Anubis, comme l'étoile de chien, est toujours montré conduisant les arches dans leur voyage vers le divin. Alors, nous allons vous faire une vue d'ensemble des fonctions d'Anubis. L'éclaireur. Le chercheur de la vérité. Le régime alchimiste. Considéré alors comme le conducteur des âmes, il joue cependant un rôle important dans le monde souterrain. Gardien des portes de l'au-delà, il accueille le défunt et les accompagne dans le monde souterrain. La couleur noire de l'animal fait allusion à la teinte sombre du bitume qui sert à la momification. Anubis est la personnification des chiens à demi sauvages qui erraient dans les ruelles des villages et dans les nécropoles. Secret. Anubis est le maître incontesté de tous les rites et de toutes les techniques de momification. Il est le dieu de l'embaumement. Inventeur de la momification, qu'il pratique pour la première fois sur Osiris, Anubis est le protecteur des morts et des nécropoles.